Hello, nouveau vlog, donc on est vendredi. C'est la fin de semaine. Je me suis couchée vers 3h hier soir. Et là, ça me fait encore, comme je vous ai dit dans le vlog d'hier, genre déshydratation, alors que je me suis réveillée plusieurs fois dans la nuit pour boire un coup. Et genre, ça me fait en fait à chaque fois mal à la tête, comme le lendemain soirée. Et quand on a bu, on sait très bien qu'on est en manque d'eau du coup. Sauf que oui, hier c'était soirée, sauf que moi je n'ai pas bu, voilà donc. Parce que personnellement, j'ai pas besoin d'alcool pour aller en boîte, danser, m'amuser, quoi. Je sais qu'il y a des gens qui arrivent pas à genre danser et s'amuser s'ils ont pas bu. Bah écoutez, moi non, ça me dérange pas du tout. Donc là, je vais manger. Faut aussi que je monte le vlog. Je sais qu'il sera pas en ligne du coup à 10h. Hein. Qu'il est déjà 9h47. Que j'ai pas commencé à le monter. Donc le temps que ça charge tout ça. Voilà. Mais là, j'ai très faim. Déjà, quand mon copain est parti ce matin au boulot, du coup, il m'a réveillée pour me dire au revoir. Enfin, je l'ai entendu, puisqu'il allait fallait bien qu'il s'habille quand même. Et j'avais trop faim, mais genre j'étais encore fatiguée. Du coup, c'était le dilemme. Est-ce que je vais manger ou je redors? J'ai essayé de redormir. Du coup, là, j'ai super faim. Je me mets des petites vidéos sur YouTube. Je fais mon petit déj. Et puis voilà. Aujourd'hui, je vais pas aller à la salle. Parce qu'il va être déjà 10h. Donc voilà. Et parce que j'aurais fait à peu près tous les muscles, sauf bah, du coup je vais y aller demain matin. Et demain matin ça va être biceps, triceps. Et sinon je crois que j'aurais fait à peu près tout cette semaine. Donc c'est vraiment cool de pouvoir y aller souvent. Je sais pas pourquoi quand j'étais... Ah mais si, quand j'étais le matin c'est parce qu'il y avait mes parents qui étaient là. C'est pour ça que je suis pas allée quasiment tous les jours. Mais sinon la semaine prochaine je vais essayer de faire pareil. Après quand je vais avoir les cours je suis pas sûre de pouvoir y aller 4 fois par semaine parce que je vais finir vers 17h et quelques, c'est le moment où il y a des gens sur la route et genre du boulot, des révisions. Bon après forcément vu que j'ai déjà validé des matières, il y a des moments où j'ai pas de cours donc si je peux trouver des moments où y aller le matin, c'est le top parce que c'est là où je préfère y aller. Puis c'est là aussi un peu moins de monde parce que franchement à 17-18h, il y a du monde et sur la route et du monde dans la salle, etc. Et c'est pas le moment où je préfère aller faire mon sport quoi. Et du coup en rentrant de boîte, je suis quand même allée regarder le courrier. Et j'avais à nouveau deux avis de passage. Mais du coup comme c'est écrit qu'on peut le récupérer qu'à partir du lendemain 14h, je sais pas si je peux les récupérer aujourd'hui ou pas. Et j'avais un colis MyProtein qui devait arriver aujourd'hui. Et j'ai reçu un message me disant que ça pouvait pas être livré à mon adresse. Donc à mon avis c'est que je crois qu'il livre c'est un truc genre GLS, un truc comme ça. The Hut Group, je sais pas quoi. Et je pense qu'ils connaissent pas mon adresse parce qu'il y a beaucoup de gens qui la connaissent pas parce qu'en fait elle n'existe pas vraiment trop encore comme c'est neuf. Du coup voilà, je pense que c'est ça qu'ils connaissaient pas encore. Ah, il y a pas le Chromecast qui est là. Copain du ménage. Voilà, donc du coup ils ont... Au début j'ai eu peur, je voyais un truc genre annulé et tout. Je me dis non, ils vont m'annuler ma commande, tout ça. Et en fait... Après j'ai vu un message qui me disait qu'ils l'ont mis dans un point relais là où je vais faire mes courses, enfin l'intermarché quoi. Du coup ça va, c'est plutôt cool et ils disent qu'il faut normalement pour aller chercher, il faut le truc que t'as dans la boîte aux lettres. Sauf que s'ils ont pas pu le livrer, je sais pas s'ils ont trouvé la boîte aux lettres parce que sinon j'étais là et... Oh c'est flou. Et je pense que franchement la sonnette quoi, franchement ça m'aurait réveillée je pense parce qu'elle sonne assez fort. Et c'est vrai que il livre toujours assez tôt. Limite mon copain devait peut-être être là s'il avait essayé de livrer. Donc voilà. C'est juste qu'ils ont sûrement pas trouvé l'adresse je pense. Désolée, j'étais en train de me concentrer pour brancher le Chromecast en même temps. Je pense que je vais manger des biscottes parce que... J'ai mal à la tête comme ça, je sais pas, j'ai du mal avec le fromage blanc. Alors que pourtant, un truc frais, il y a des gens, ils aiment bien et tout, mais là, j'ai pas trop envie de ça en fait. Voilà, je sais pas si je suis bizarre ou pas. Bon, puis sinon, hier, mon copain, il s'amusait à ouvrir une des lettres d'abonnés. Et je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas écrit là. Non, c'est pas celle-là qu'il a ouvert. Il en a ouvert une autre. Voilà, il aime bien ouvrir des lettres. Le vlog est monté, du coup je l'ai divisé en deux parties. Donc là je vais m'occuper de la deuxième partie, comme ça ce sera monté à l'avance. C'est un peu frais. Plus belle la vie vient de se terminer. Et sinon, dans mon dernier vlog, donc
pas celui qui était juste avant, mais celui encore avant. Bref, il y en a qui ont compris que je disais premier avortement au lieu de premier appartement. C'est vrai que dit vite appartement, avortement, c'est. Ça peut se confondre, mais du coup, au début, je comprenais pas. Je voyais dans les commentaires, t'as déjà avorté, tu vas avorter, je sais pas quoi. J'étais là, mais. What? Qui a lancé cette rumeur? En fait, c'est juste que les gens ont mal compris ce que je disais. Du coup, bah non, j'avais de la vie, quoi. Enfin, j'ai jamais avorté, jamais été enceinte, voilà quoi. Du coup, ça m'a fait peur. Je me suis dit, c'est quoi ce truc? Voilà, sinon, il est déjà 11h30 et je me suis chopé un bouton. J'en avais plus et là, hop, il y en a un. Souvent, c'est quand je sors. À chaque fois que je sors, je sais pas, il y a un bouton qui décide de pousser. Enfin, pas à chaque fois, mais très souvent. Pourtant, hier soir, je suis rentrée. Il était 3h, je me suis tout bien démaquillée. Je me suis passé une brosse sur le visage, je me lave les dents. Moi, je peux pas, genre, rentrer de soirée puis me coucher, hop, comme ça, quoi. Sauf si je suis vraiment morte, 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 et voilà. Mais sinon, non, je supporte pas du tout. Donc voilà, il va falloir que je range un peu le petit-déj, que je fasse un petit peu la vaisselle. Mais je suis quand même fatiguée, hein. Je sais pas trop non plus ce que je veux faire à manger. Voilà, deuxième vlog monté. Sinon, vous m'avez dit en fait pour les fils Snap, mais du coup, une autre personne me l'avait dit sur Snap. En fait, il faut maintenant plus rester appuyé longtemps sur la tête pour les mettre. Il faut juste appuyer une fois en fait. Ils ont juste changé le truc. Bon, mon copain m'a dit qu'il voulait du riz et après que je faisais ce que je voulais. Donc, je vais guetter ce que je fais. Je regarde les vlogs d'Alban. Franchement, ça me donne trop envie de voyager. Et moi, je me dis que je dois rester ici, que je suis en stage et qu'après, je reprends les cours et qu'elle est là-bas. Elle a de la chance, voilà. Bon, après, elle est pas en vacances, mais le boulot de rêve, quoi. Du coup, je pense que je vais faire du poisson, donc du cola. Mais juste, je vais regarder sur internet une idée de sauce parce que je sais pas trop quoi faire, je vous avoue. Bon, j'avais trouvé une recette, c'était à la moutarde et au persil. Bon, déjà, je crois qu'on n'a pas de persil. Et puis, j'ai pas la moutarde, je trouvais ça bizarre. Du coup, je vais faire avec de la crème, mes colins. J'ai mis de la ciboulette et. J'ai rajouté du citron et juste avant j'ai mis des oignons. D'ailleurs il y a un oignon là-bas qui s'est échappé. Puis comme une fois manger pour ce soir mais que je voulais pas refaire un truc de fou, je vais prendre juste deux blancs de dinde et du riz. Et je pense que demain je vais faire le ménage, passer le balai et la serpillière parce qu'on n'avait pas de seau pour la serpillière, on avait juste la serpillière, enfin la serpillière. Le balai avec des poils là, je sais plus comment ça s'appelle. Et du coup ma maman avait deux seaux essoreurs on va dire, du coup elle nous en a donné un donc je vais faire ça demain. Parce qu'en une matinée en vrai j'ai pas eu assez de temps en fait pour le faire. Parce qu'il faudrait déplacer la table basse, secouer le tapis, tout ça. Puis mon copain aussi avait un aspirateur mais il a pas les sacs. Donc voilà au pire je ferai au balai c'est pas grave. Mais là ça commence à... voilà. J'avais déjà passé le balai l'autre coup mais là il faut un peu plus nettoyer quoi. Mais j'avais pas encore pris le temps de le faire. Et regardez le petit blanc derrière. Bon le riz est toujours pas prêt, ça c'est prêt mais il met 10 ans à cuire quoi. Je suis en train de penser qu'il est déjà midi 20 presque. Je suis pas habillée, pas préparée. Donc je vais faire ça vite fait. Hop la routine, me voilà dans l'ascenseur. Je vais aller au garage. Bon je crois qu'il est un peu plus tard que... voilà. Déjà 13h01 mais moi ce temps là je mets moins de 10 minutes généralement pour y aller. Donc ça le fait. Et de toute façon à chaque fois je suis toujours en avance. Donc ça va. C'est juste que c'est toujours mieux d'arriver en avance parce que comme je sais jamais trop où je vais me garer, faut pouvoir anticiper. Hop, ça y est, je suis arrivée et je m'en suis rendu compte dans le garage que j'avais oublié ma bouteille d'eau parce que je l'avais remis à côté de mon lit. Faudrait que j'en ai une à côté de mon lit, une toujours dans mon sac. Mais bon, de toute façon, c'est pas grave. Il y a des tasses là-bas pour boire. Je vais pas mourir de soif. C'est juste que c'est plus simple. Ma bouteille d'eau, je l'emmène partout. Enfin, tranquille, je la mets dans mon sac. Voilà, voilà. Mais bon, c'est pas très très grave. Mais en mangeant mon riz à midi, je vous ai pas montré à la fin comment c'était ce qu'on a mangé. Parce que je sais pas. Parce que je sais pas, voilà. J'ai postillonné, c'est sale. Oui, bref, du coup, j'ai fini de faire à manger pile quand mon copain arrivait. Et du coup, fallait que je mange assez vite, on va dire. Enfin, parce que j'ai fini de faire à manger un peu plus de 12h30 et je pars vers. Enfin, j'avais en gros une demi-heure pour manger, me préparer tout ça. Et je me suis brûlée la langue, voilà, c'est génial. Je déteste cette sensation, mais alors vraiment, je déteste. Bref, c'est parti, let's go. Et puis je vous retrouve ce soir. En tout cas, dehors, il fait pas froid, il fait même plutôt bon. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, je suis garée comme hier au bord de la route. Et voilà. Hello, voilà, journée terminée, même semaine terminée. Je suis en week-end, la journée passait vite et encore une fois, c'était plutôt cool.
c'est beaucoup. Au début, j'étais prof. Et puis maintenant, je m'y habitue. J'ai mes patientes que je prends en charge. Tout ça, donc ça va. Donc là, vous voyez, je suis sortie un petit peu en retard. Mais bon, parfois, les relèves, tout ça, ça prend un peu plus de temps. Et encore, elle m'a dit de partir alors que la relève n'était pas tout à fait terminée. Mais comme mes patients sont dans les chambres du début, on va dire, ben moi j'avais déjà fait ma relève. Bref, du coup je rentre à la maison, je vais retrouver mon copain. Voilà, voilà, je suis en week-end, c'est cool. Donc demain il faudra que j'aille chercher mes colis, tout ça, tout ça. J'ai un de ces courbatures aux cuisses. C'est quoi ce truc? Est-ce que vous voulez un manteau? Un manteau par terre. Ouais, je disais, j'ai des courbatures aux cuisses, en plus là je dois marcher beaucoup et ça fait mal. Sa voiture elle fait un bruit chelou, enfin un bruit de je sais pas quoi. Bref, je dis toujours bref, et dans un vlog j'arrêtais pas de dire hop hop. Et il y a une patiente qui a dit aux autres filles, donc infirmière étonnante, qu'elle disait hop tout le temps à chaque fois qu'elle faisait un truc. Donc ça se trouve ce tic m'est venu à cause d'elle. Voilà, ce serait possible. Parce qu'un tic, franchement, ça s'attrape vite, quoi. Comme avant, je regardais genre tout le temps Emma Makeup. Puis je sais plus ce qu'elle faisait, un truc avec ses mains, je crois. Je sais plus si c'était elle qui faisait ça. Enfin bref, avant, je regardais une cheveux. Je suis pas sûre que ce soit Emma Makeup. Mais Emma Makeup, j'avais pris quelques-unes de ses expressions. Non, Emma Makeup, c'était la bise, voilà. Je disais ça tout le temps. Et du coup, on m'a dit, ouais, tu plagies Emma Makeup. Et non, c'est juste que je regardais très souvent ses vidéos. Enfin, surtout ses snaps, en fait. Et bah voilà, du coup, j'ai pris son expression, voilà. Donc c'est... Et le truc que je disais avec la main, c'est que je mettais tout le temps ma main sur ma tête, ou je sais pas où, je sais plus comment je faisais, je crois que je le fais plus. Et il y a des abonnés qui m'ont dit, ouais, j'ai pris ton tic et tout. Donc comme quoi, vous voyez, ça se trappe vite, comme le... Quand je suis pas jolie et que je suis orpine, c'est des sdes. Et ben moi aussi, je l'avais attrapé. Et des fois, je leur dis de temps en temps, et mon copain, il aime pas. Je dis, ouais, arrête ça. Voilà, voilà. Du coup, vous me tenez compagnie pendant mon petit chemin. Parce que je suis obligée de marcher dans la nuit, seule au monde, voilà. Et au début, Jadelle voulait peut-être qu'on ressorte ce soir, parce qu'à la boîte on était hier, il y a soirée carnaval, et l'entrée elle est gratuite, si tu te déguises, tout ça. Mais là, je suis fatiguée, voilà. Et puis quand je sors, du coup après, je passe pas trop la soirée avec mon copain, quoi. Ouh, déjà une fois par semaine, ça suffit. Et dimanche, on va, hein, comment s'appelle, une convention, voilà. Donc je sais pas trop ce que je vais vlogger, si je vais vlogger, enfin je pense que je vais filmer un petit peu. Je sais pas trop si je vais vlogger comme ça, tout ça, on verra. Enfin, sinon je passe au-dessus de rails, de trains, et les trucs au sol bougent et font du bruit. Je vais tomber dans un trou, dans les rails, je vais me faire écraser par un train, voilà, voilà, c'est tout. À chaque fois que j'arrive à ma voiture, j'ai l'impression des fois de loin je la vois pas, je me fais des frayeurs. Un peu de la boue ici. Bon, je suis arrivée à la voiture. De toute façon, je vais vous laisser, je pars filmer après. Parce que il va rien se passer de fou. Je vais rentrer de toute façon. Il est déjà 21h30. Puis après, pas faire grand chose, regarder peut-être un petit peu la télé. Et puis après, dodo quoi. Hein. Si je veux aller bosser mes biceps et mes triceps demain matin à la salle, il faut de l'énergie, voilà. Ouais, y a un truc à faire chelou. Bref, je vous laisse et je vous dis à demain. Je suis dégoûtée. J'ai arrêté le vlog pile au moment où je voyais, en fait, j'ai vu une voiture qui freinait vers moi. Du coup, j'ai vite arrêté le vlog. Et c'est des gars qui me lassaient pour dire t'es bonne. Et c'est sûr que là, j'ai vraiment l'air d'être bonne. Hein. Là, je suis bonne vraiment trop. Avec une grosse écharpe, une doudoune. Je vous jure que quand je dis que les gars, ils accostent tout le temps pour dire tout et n'importe quoi, voilà. Quand il y a des filles qui me disent je me suis jamais fait accoster et tout, je me fais jamais accoster quand je sors, ben je vais vous dire que vous avez de la chance. Hein. Et après je vais dire ça et on va me dire ouais non mais te plains pas, je vais prendre ça pour un compliment. Je suis dans le noir. Bah désolé, mais quand on ouvre ta fenêtre quand t'es au bord de la route en train de marcher pour te dire t'es bonne, je dis que les gars en fait ils ont croisé que moi sur la route, je crois en fait. Bref, cette fois-ci je vous dis vraiment à demain et bisous.